Pourquoi une noix pond des œufs d'or? Pourquoi l'araignée fait d'une toile son décor? Est-ce qu'une vache peut vraiment voler? Tout ça n'aura plus aucun secret, car on a une carte qui nous éclaire. On a une carte, on peut éclaircir tous ces mystères. Bonjour. On a une carte, dès que l'on demande et qu'on y croit, la carte magique nous répond chaque fois. Sur cette carte, la forêt enchantée a l'air vraiment immense. Oui, tu vois la distance entre la maison en pain d'épices et l'arbre du lutin magique qui est... ici. Il y a tellement d'arbres dans la forêt enchantée, comment le lutin magique a choisi le sien? Je n'en sais rien, mais la carte va nous le dire. Parmi tous les arbres de la forêt enchantée, comment le lutin magique a su lequel il a mis près? Les valises, je sais comment les fermer. Ouais. Oh, merci beaucoup, mon cousin. Je te préviendrai dès que je saurai dans quel arbre vivre. Tu viendras me rendre visite. Oh, mais quel arbre sera le bon? Comment le savoir? Crois-moi, cousin. Quand tu l'auras trouvé, tu le reconnaîtras tout de suite. Bonne route! Souhaite-moi bonne chance. Pas assez de branches sur celui-ci. Non. Oh, voilà ce qu'on appelle un arbre majestueux. Ça me semble être l'endroit idéal pour installer mon carillon. D'accord, je suis sûre de gagner. Désolé, monsieur, mais on adore grimper dans cet arbre. C'est pour ça qu'on vient ici tous les jours. Vous venez tous les jours? Oh, ça risque d'être un peu bruyant pour moi. Oh, pas assez touffu. Oh, beaucoup trop petit. Alors là, je dirais plutôt que c'est assez grand. Attention dessous. Oh, mais... mon cousin le cordonnier avait raison. Je ne peux pas me tromper. C'est évident, je sais que cet arbre est pour moi. Waouh. Est-ce que chaque arbre a son lutin? On demandera une autre fois, là ce n'est pas le moment. Merci, carte magique.